Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce mardi, le 10 août 2021. Et sans plus tarder, commençons notre émission avec cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sissi qui a suivi les activités du Fonds d'honneur des martyrs au cours de la dernière période. Les avantages et les services qu'il fournit au profit des bénéficiaires en coordination avec toutes les instances de l'État. Ceci est intervenu hier lors de la réunion du président avec le Premier ministre Mostafa Madbouly, le conseiller du président de la République pour les affaires financières, le général Mohamed Amin, et le PDG du Fonds d'honneur des martyrs, le général Saïd El-Reilly. Le porte-parole de la présidence a indiqué que la réunion avait discuté de l'indemnisation des familles des martyrs, du développement des programmes du fonds, ainsi que du développement de ses ressources. Et le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouly et le ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir. La réunion a porté sur l'examen de la position exécutive d'un certain nombre de projets du ministère des Transports au niveau de la République. Le point tout de suite dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni avec le Premier ministre et le ministre des Transports. Il s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouly et le ministre des Transports, le lieutenant-général Kamel El-Wazir. La réunion a porté sur l'examen de la position exécutive d'un certain nombre de projets du transport au niveau de la République. Le ministre El-Wazir a passé en revue les développements du poste de direction du projet de train électrique à grande vitesse qui reliera les villes de l'Ain Sokhna et d'Al Alamin s'étendant jusqu'à Marsa Matrouh en passant par la nouvelle capitale administrative du Caire. Outre les efforts du ministère pour développer et entretenir intégralement l'axe routier entourant le Caire, ce qui comprend l'augmentation de son efficacité et son extension pour atteindre 8 voies de circulation dans chaque direction, ainsi que le développement de toutes les entrées et sorties, les voies et les stations de bus de fréquence qui circuleront sur cet axe routier et sous le système de transport intelligent intégré qu'il sera mis en œuvre sur les autoroutes. Le ministre a passé en revue les nouveaux axes intégrés sur le Nil pour relier les deux rives au niveau de la République. Le ministre des Transports a également présenté les nouveautés des travaux et développements d'amélioration de l'efficacité des systèmes de la première ligne du métro, ainsi que les mesures actuellement prises pour moderniser les systèmes administratifs et d'exploitation du réseau ferroviaire, ce qui garantit le maintien des normes de sûreté et de sécurité. Le président de Fattah el-Sissi s'est réuni également avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouly et le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation Dr Mohamed Abdel Aati, le ministre du Logement Dr Asim El-Khazar et le gouverneur de Suez. La réunion a porté sur l'examen des opportunités de bénéficier des derniers systèmes technologiques de dessalement de l'eau de mer, notamment en termes de faisabilité économique, mais aussi quantité et qualité, la capacité de production et la consommation d'électricité. Marwa Arafa et Shams Nami. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouly, le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation Dr Mohamed Abdel Aati, le ministre du Logement Dr Asim El-Khazar, le gouverneur de Suez. La réunion a porté sur l'examen des opportunités de bénéficier des derniers systèmes technologiques de dessalement de l'eau de mer, dont tous les détails techniques de cette nouvelle technologie ont été présentés, notamment en termes de faisabilité économique, de quantité et de qualité, et de capacité de production et consommation d'électricité. Cela s'inscrit dans le but de bénéficier de ces technologies dans le cadre des efforts d'État pour mieux gérer les ressources en eau et exploiter les dernières découvertes scientifiques dans ce domaine, que ce soit pour le dessalement ou le traitement de l'eau de mer. Dans ce contexte, le président el-Sissi a dirigé l'achèvement des études nécessaires pour assurer l'application efficace de la technologie avancée de dessalement de l'eau en Égypte pour obtenir les meilleurs résultats dans ce domaine, de tous les aspects, en tenant compte des divers composants possédés par l'Égypte qui doivent améliorer la pertinence de son utilisation de cette technologie. Et le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouly, a souligné le rôle du système de transformation numérique dans l'amélioration du niveau des services fournis aux citoyens, soulignant les efforts de l'État pour développer le siège du gouvernement et étendre l'utilisation d'applications et de technologies conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sissi à cet égard.
Le Premier ministre a tenu ses propos lors de la réunion qu'il a tenue par visioconférence hier pour suivre l'état ou l'avancement de la mise en œuvre du système de transformation numérique pour l'application de la loi. En présence des ministres de la Justice, des Finances, du Développement local, des Communications et des Technologies de l'Information et du Plan et du Développement économique, le chef du gouvernement a précisé que le système de transformation numérique pour l'application de la loi vise à créer un système d'information intégrale pour la gestion des affaires et procédures pénales, judiciaires permettant l'échange des informations requises de manière sécurisée et établissant des principes de justice rapide. Le chef du gouvernement, toujours Dr Mostafa Madbouly, a suivi donc soigneusement l'état d'avancement des projets en cours d'exécution dans la nouvelle capitale administrative afin d'y booster le travail suite à des consignes strictes du président Abdel Fattah el-Sissi d'y suivre régulièrement les projets de construction. Le chef du gouvernement a tenu ce propos lors d'une réunion interministérielle en présence de responsables concernés. Le président du service du génie militaire, Ehab El-Far, a précisé lors de la réunion que 96,2% du travail dans le quartier gouvernemental avait été achevé et expliqué l'avancée des travaux dans les différents réseaux de services. Il a également évoqué le réseau extérieur de télécommunications ainsi que le réseau de gaz naturel dont l'exécution a été achevée à 100% et le réseau téléphonique, donc portable, téléphonie mobile et celui électrique. Nous a rejoint par téléphone Dr Amr Saleh, expert en économie. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, effectivement, nous attendons tous avec impatience l'achèvement donc des travaux dans la nouvelle capitale. C'est vrai que pour nous, c'est déjà un travail pharaonique qui a été fait, un chantier pharaonique, puisque ça a été fait durant une courte durée. Et on le sait très bien également que le projet ne sera achevé entièrement que dans quelques années. Mais le fait déjà d'avoir le quartier gouvernemental, c'est, on va dire, c'est une lueur d'espoir d'un lendemain meilleur, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour. Bonjour. Tout à fait. Tout à fait. Les projets d'infrastructure que l'Égypte a vus au cours des cinq dernières années sont non seulement pharaoniques, mais je dirais colossales. Car avec un taux de croissance que l'Égypte avait réalisé au cours des dernières années, un taux de croissance de 6%, 6,5%, sachant qu'on avait démarré après la révolution avec un taux de croissance catastrophique de 1,8%, donc pour arriver à un taux de croissance de 6%, 6,5% et arriver en même temps à achever tous ces projets d'infrastructure énormes qui tracent et qui signe en fait une renaissance d'une nouvelle Égypte. C'est déjà un exploit, et d'ailleurs la Banque mondiale, le FMI et les institutions financières internationales avaient affirmé, indiqué dans nos rapports à plusieurs reprises, que l'expérience égyptienne, l'expérience de réforme égyptienne, et que ce que l'Égypte avait achevé, est un miracle économique. Un miracle économique car vous travaillez sur deux volets, sur deux plans. Le premier plan est celui du déficit budgétaire. Donc, vous essayez de combler le déficit budgétaire, vous essayez de minimiser votre déficit, et en même temps, secondo, vous essayez d'accélérer les dépenses publiques. Donc, c'est déjà paradoxal, et c'est même imaginable que vous créez une diminution, une décroissance du déficit public, avec une croissance des dépenses publiques dans les domaines de l'infrastructure. Et nous l'avons expliqué à plusieurs reprises que l'accélération et l'augmentation et les chiffres enregistrés dans les dépenses publiques visent à augmenter les projets d'infrastructure. Et cela a un rapport de ce qu'on appelle de leverage, economic leverage, et de transformation sur le plan économique, sur le taux de croissance économique. Mmh. Et donc, vous avez deux volets qui sont, à mon avis, contradictoires, mais l'Égypte avait réussi de manière très audace
à travailler sur les deux volets. Excusez-moi, avant de poursuivre le troisième volet, est-ce que justement le timing nous a aidé à mettre en valeur cette croissance, puisque à l'heure où il y a la crise sanitaire, effectivement beaucoup de personnes ont perdu leur job à travers le monde. Il y a eu une crise économique d'une grande ampleur jamais vue dans l'époque moderne. Donc, étant donné que nous avons eu des réformes draconiennes, drastiques, est-ce que justement cette situation a été en notre faveur en fait pour mettre en valeur ce qu'on a fait? Ben écoutez, le timing, non, au contraire, le timing a été très mauvais, le timing était catastrophique. Mais pour revenir à votre question et pour mettre l'accent et mettre les points sur les i, le timing est mauvais, mais nous avons réussi à dépasser et surmonter toutes les difficultés qui avaient été enregistrées dues au mauvais timing. Pourquoi le mauvais timing? Parce que vous êtes dans une course, vous êtes en train de courir constamment pour augmenter votre croissance et réaliser des taux de croissance énormes et si vous voulez, indispensables. Vous voulez non seulement un 6%, mais vous voulez un 7 et un 8 et un 10%, d'accord? Parce que vous avez un taux de chômage que vous avez besoin de combler. Et donc, à un moment où nous sommes en train de faire des dépenses publiques pour des infrastructures qui devraient rapporter de l'argent, vous avez une crise économique. Et en même temps, avec cette crise économique due au fléau, vous avez réussi à trouver des réserves financières et sociales pour préserver, je dirais, non seulement augmenter, mais pour préserver le taux de croissance que vous avez enregistré. Et d'ailleurs, vous savez mieux que moi que l'Égypte a été parmi les seuls 18 pays dans le monde qui avaient enregistré un taux de croissance positif, alors que la plupart des pays avaient enregistré un taux de croissance négatif. Et donc, le timing, pour revenir à votre question, le timing a été mauvais, était catastrophique, mais la performance de l'Égypte et la performance du programme de réforme économique que l'Égypte avait entrepris a permis à l'Égypte de traverser cette phase difficile et a permis de surmonter ce timing très délicat qui arrive à un moment où vous avez besoin de plus de dépenses, donc vous avez besoin de plus d'argent, vous avez besoin de plus d'income. Et à un moment où vous avez besoin de plus d'argent, vous avez une crise économique et donc vous avez des déficits. Non, vous n'avez pas eu un déficit, vous avez continué à réaliser une croissance, vous avez même trouvé des réserves et des fonds sociaux. Vous vous souvenez mieux que moi les 100 000 milliards qui avaient été octroyés et accordés aux exportateurs et aux femmes, aux entreprises, aux entrepreneurs, les jeunes, tout cela pour essayer de préserver les acquis que l'Égypte avait enregistrés au cours des quatre dernières années. Donc, concernant le timing, l'énorme timing a été vraiment catastrophique, mais les réformes économiques que l'Égypte avait entreprises avaient permis à l'Égypte de surmonter cette difficulté qui n'était pas sur l'agenda du commerce international ou international, si vous voulez. Docteur Amlo Salah, merci à vous de votre participation à notre programme de ce matin, Midi au Caire. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Voilà, malheureusement, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Night TV International. À très bientôt. Au revoir.